beauté. Écoute, très bien vu la coiffure, hein, c'est une coiffure qui a tendance en ce moment. Et le maquillage, la bouche elle est bien, les yeux elle est bien, mais le teint, on pouvait mieux faire. D'accord, merci. Donc voilà, ma chérie. C'est vrai que ça a commis quelques erreurs, Christina. Oh, alors, la note de notre expert va-t-elle lui permettre de rester en tête du classement? Réponse juste après ses remarques sur le look de notre coiffeuse Fanny, qui a elle aussi récolté la jolie moyenne de 8 sur 10 de la part de ses rivales. Christina, c'est à vous. Fanny, ma belle. Bonsoir. Alors toi, le thème, ça te plaît énormément? Ah bah forcément, oui. T'es contente de T'aimes pas mon dessin? Ah bah moi, c'est une tenue que je pourrais porter chez moi, donc oui, je suis plutôt contente. Et toi? C'est bien. Tu veux savoir ce que j'en pense? Bah oui. Ah bah alors, voilà, c'est très bien que tu veux savoir. Alors, ma chérie, tu sais, le look, c'est comme la nourriture. Si tu mets trop d'épices, eh ben n'arrive pas à manger. Tu vois, là, c'est du bronché de la tête aux pieds. C'est vrai. Tu la mélanges. Du bon beurre, ce qui est magnifique, qu'on adore, que c'est tendance. Avec le pantalon qui est slim, troué, avec des clous, avec des fermetures éclair, avec une chaussure qui est dorée, mais qui on voit à 50 millions de kilomètres. Et c'est pas possible. Mais t'es branché, hein. D'accord, ok. Pour la mise en beauté, je trouve qu'elle est trop chargée. Et maintenant, on va parler de la coiffure, yes! C'est une bonne idée, la tresse épi, ma chérie, parce que c'est tendance. Merci. Ça, c'était bien. Pour Christina, même si Fanny est dans le thème, elle n'a pas su équilibrer son look malgré un choix de coiffure tout à fait branché. Avant de découvrir qui, de Fanny ou de Raïssa, est l'heureuse élue, Christina va nous présenter sa tenue idéale pour le thème de la semaine. C'est le moment de la tenue idéale de la semaine, branchée avec tresse, avec Victoire, et elle vient d'Argenteuil. Victoire, elle